Oh mon Dieu, Cynthia, elle était vraiment morte. Enfin, je veux dire, pas que dans ce cauchemar, dans la vraie vie. Ça voudrait dire que ce monde était relié au nôtre. Mais alors, est-ce que tout cet immeuble était en danger? Ou peut-être les femmes? Il fallait que j'aille vérifier chez Eline. Vraiment, juste pour voir si tout allait bien. Mon Dieu, Eline. Enfin, je crois que c'était ça, ton prénom. Ma voisine. Elle avait l'air perdue. Qu'as-tu vu? Peut-être qu'elle a vu les ambulances, elle aussi. Un message sous la porte. Un bout de papier rouge est collé à cet endroit. Le culte lui-même a disparu, mais je suis sûre que l'esprit du culte a survécu. Trop de choses bizarres se passent dans cette ville. J'enquête sur deux personnes, enfin peut-être une seule. Je suis à deux doigts de savoir ce qui se passe. Le 8 avril. Je devrais avoir faim, mais pas du tout. Mon estomac serait-il paralysé? Ça fait pourtant au moins 6 jours que je suis enfermée là. Dans mon frigo, un frigo de célibataire, du lait chocolaté et de l'alcool. J'allais encore devoir retourner dans ce monde infâme pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le trou s'agrandit. C'est incroyable. Est-ce que le portail vers ce monde cadavérique et répugnant était en train de s'agrandir? Pénétrer alors dans ce qui était une forêt? Mais attendez. Une forêt? Et comment j'ai atterri dans une forêt? Ça n'a pas de sens. Le trou dans cette salle de bain est vraiment bizarre. J'ai l'impression de me transformer en Alice au pays des horreurs. Je découvrais un bâtiment. Et pénétrais à l'intérieur. Tout était industriel et horrible. Qu'est-ce que... Des insectes! Des hordes d'insectes! Énormes! Et agressifs! Massacrer les derniers insectes! Qui essayaient de m'attaquer. Ces créatures étaient immondes! Sortait d'un bâtiment pour me retrouver de nouveau à l'extérieur. Une voiture? Le moteur tourne encore et la porte du conducteur est ouverte. Une voiture? Est-ce que je pourrais m'en aller avec? Elle est arrêtée avec la pédale de frein enclenchée, le siège est jonché d'un tas de trucs. Il y a un bout de papier dans tout ça avec une inscription. T'es pas venu à Silent Hill depuis longtemps, j'y verrai peut-être le diable cette fois-ci. À chaque fois que je viens dans un lieu cool comme Silent Hill, ça me donne soif. Jasper Kane. Quoi? Et un bloc-notes. Je me demande ce que voulait dire le curieux par « Chez lui, c'est l'orphelinat du milieu. Le lac est, est au nord-ouest, donc dont l'opposé est le sud-est. » Waouh, quel génie. Le curieux a dit autre chose que j'ai pas compris. Si tu amènes la clé déterrée, tu ne peux pas repartir. Range-la quelque part avant de revenir ici. Quoi? Mais ça n'avait aucun sens. Est-ce que j'étais sur le chemin pour mener à Silent Hill? J'y étais allé et c'était assez loin d'ici. Enfin, certainement pas à 10 centimes. Attendez une minute. Un autre être vivant? Bonjour! Tu t'es venu et tu étudiais cette pierre toi aussi? Un bègue? Une pierre, effectivement. Un autre gars était déjà venu, il était curieux. Mais moi, c'est moi qui l'ai trouvé leur premier. Ok. Ouais, autrefois, les autochtones l'appelaient Nakiona. Ok, d'accord. Ils s'en servaient dans une cérémonie pour contacter leurs ancêtres. D'accord, c'est donc une pierre pour parler avec les morts, ok. Aujourd'hui, ces gars l'utilisent à leur tour, ils l'appellent la pierre mère. D'accord. Ok. C'est malsain. Ils sont là-bas, dans ce bâtiment bizarre. J'ai pas très envie d'aller leur parler. Un culte religieux de folie. Mais pourquoi tu restes là, mon gars? Autrefois, ils recueillaient les orphelins et leur faisaient des trucs. Oh non. C'est pas vrai. Est-ce que j'étais tombé sur un culte religieux? C'était tombé toujours dans ce genre de ça. Ça te donne la chair de poule, hein, cette pierre. J'avais pire jusqu'à maintenant. Franchement, ce gros caillou, il m'impressionnait pas. Mais par contre, je me demandais vraiment ce que ce bec foutait là. Il était là, tout seul. Ok, il était vivant et il essayait pas de me tuer, mais bon, c'était quand même bizarre. Puis bon, après cette histoire de culte religieux qui touchait aux enfants, c'était glauque, mais au final assez banal. Mais bon Dieu, c'est pas vrai. Qu'ils étaient censés garder quelque chose, une entrée. J'esquivais tout et pénétrais dans l'orphelinat. Entrée in extremis.
avant de me faire attaquer encore par ces chiens. Je trouvais un trou qui me mènerait à la réalité. J'y pénétrais sans hésiter. Mais quoi? Me regardez pas comme ça, j'ai pensé à rien de mal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sonnait à la porte? C'était ma voisine. Au secours! Laissez-moi sortir! Mais c'est pas possible. Cette chambre est louche. Non! Comment ça? J'entends des bruits bizarres. Ça vient de là-dedans. Aidez-moi! Richard, tu vois quelque chose de ta fenêtre? Mais c'est pas possible, c'était tous mes voisins. Rien, tout me paraît normal. Richard, mon voisin, et ma voisine d'à côté. Le mec qui habite ici, c'est quel genre de type? Je suis quelqu'un de normal. Je connais son nom, son visage, et basta. Hé, sois pas si froide. Mais vous m'entendez pas? Je vais quand même appeler le directeur. C'est ça, bonne idée. Non mais... ça sert à rien, ils m'entendent pas. J'avais beau cogner sur cette porte et hurler, ils ne m'entendaient pas. Et voilà maintenant qu'ils commençaient à me soupçonner. C'est pas vrai, est-ce que j'allais être accusé du meurtre de Cynthia en plus? Je pourrais même pas me défendre, bordel. Ah, c'est vrai que ça pouvait paraître suspect de jamais me voir, mais quand même. Faut que je réussisse à trouver ce qui se passe dans ce monde répugnant. Et me voilà dans l'orphelinat. Les murs sont badigeonnés de dessins d'enfants inquiétants dans cette atmosphère glauque. Et il y a des inscriptions illisibles un peu partout, sur les rochers et les souches d'arbres. C'est pas du tout ce que je fous là, mais... je sens que ce lieu est lié à tout ce qui est en train de se passer. Silent Hill Smile Support Society Wish House. La maison des souhaits. Eh ben, c'est l'orphelinat géré par le culte. D'après le gamin, il s'est passé des choses horribles ici. Je dirigeais donc vers l'entrée du bâtiment, mais... c'est pas vrai, fermé! Il me fallait probablement une clé pour ouvrir ce truc. Le message dans la voiture avait l'air d'indiquer qu'il y avait une clé cachée quelque part. Ça se trouve, elle était pas enterrée bien loin. Avec un peu de chance. Est-ce que c'était que ça, une mine? Des jambes? Est-ce que c'était des jambes? Oh mon dieu! Encore des cadavres. Décidément. Toluca Lake. Toluca Lake? Mais je ne pense pas que ce lac soit visible de là où mon appartement se trouve. Oui, je sais. C'était idiot de penser que j'étais encore à Ashfield. J'avais réussi à me téléporter à Silent Hill et j'avais aucune idée de comment. Mais sur le moment, je pouvais pas l'accepter, c'est tout. Je revenais sur mes pas. Peut-être que j'avais oublié quelque chose dans tous ces chiens. Oh mon dieu! Un énorme bonhomme volant! Des fantômes, donc. Il n'y en avait pas au début. Bon sang! Je courais rapidement me mettre à l'abri. Et tombais sur... un enfant? Gamin, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai. D'abord Cynthia, et puis maintenant... oh fiston, qu'est-ce que tu fais là? Quels yeux? Et voilà le bègue! Tu es... enfin, la troisième révélation. Quelque chose va se passer. Le type curieux l'a dit aussi. Un truc géant va se produire. D'accord. Ça va enfin arriver. Je sens que ce gamin n'est pas normal. Cet ado est perturbé. Ah, petit, petit, non. Ouais. Quel monde de dingue. Le fond du cercueil porte les chiffres 111-21. Encore des chiffres 111-21. Est-ce que c'était les matricules des petits? Ah mais... le bègue. Il était là. Qu'est-ce que tu foutais là? La porte ne s'ouvre pas. Oui, je le vois bien. T'as pas une solution? Le type curieux m'a donné un truc super. C'est-à-dire... oui bon, je sais, j'ai peut-être été un peu désagréable avec lui. Mais franchement, j'en avais trop marre. Et puis ce type était trop bizarre. Je veux bien te le donner, mais pas pour rien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une sacrée soif. J'ai du lait chocolaté, s'il te faut. Tiens. J'ai pris dans le frigo, je me disais bien que ça servirait à quelque chose. Oh man, that was awesome. Bah, ok. Here,
Tiens, prends ça. Il y a une inscription dessus. Il me jeta la pelle comme si j'étais un vulgaire chien, au lieu de me l'attendre intelligemment. Bon, je le laissais savourer son lait chocolaté. J'avais bien fait de prendre la bouteille, en fin de compte. C'est une petite pelle portant une inscription en lettres de sang. Pelle en lettres de sang, inscription à l'opposé du point où se rejoignent le lac et la maison, dans la paume collée au sol. Dans la paume collée au sol. Partez donc de là à la recherche de cet endroit, apparemment supposé m'aider. C'était là? Découvrez l'endroit, assez rapidement. Des racines en forme de main répugnante. C'était terrifiant, mais en même temps, c'était ce qui faisait marquer sur la pelle. Je creusais. Qu'est-ce que je pourrais trouver là-dedans? Je savais pas quoi espérer, mais... J'ai trouvé une clé rouillée. Magnifique. Il y avait une inscription. Celui qui détient cette clé errera éternellement. Je passais outre ma peur. Il me dit que, de toute façon, c'était ce que je faisais depuis le début. Ça faisait 5 jours que j'étais en train d'errer éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que c'était que cette brume? Si... Mais je tourne en rond! Non, c'est pas vrai. Et je retournais en arrière. Super, j'avais réussi à débloquer la boucle. Je me jetais dans le trou. Et là, enfin, je compris ce qu'il fallait que je fasse. Si le possesseur de la clé était bloqué dans une boucle temporelle, il fallait que je dépose la clé dans mon monde, à moi, pour pouvoir la transporter ailleurs et passer cette fameuse boucle. Enfin, si c'était ça la loi... Ah ! Merde ! Super. Qu'est-ce que c'était que cette cravate ? Quelle horreur. Il ne me voyait pas ? Oui, je suis là. Ça ne servait à rien. Personne ne pouvait m'entendre. Ils vont tous me prendre pour un cinglé. Faut vraiment que je me sorte de cette situation, sinon tout va me retomber dessus. Si Cynthia est vraiment morte, j'ose pas y penser. Déposais donc la fameuse clé, et je repartais dans ce monde de cauchemar. Si ce que j'avais compris était vrai, normalement, je devrais pouvoir me sortir de là. Finalement, j'arrivais. Le bec était toujours en train de savourer mon lait au chocolat que je lui avais amené. Et la clé rouillée était finalement utile. Parfait. Je rentrais finalement dans cet orphelinat. Qu'est-ce que j'allais découvrir? Un message gribouillé. Tu as trouvé Alessa et Walter, ça se précise. Envoie-moi ton rapport. Alessa? Qui était Alessa? Oh putain, le bec m'avait suivi. Il m'a fait peur, ce con. Où était déchiré? Un autre message. Ça se décolle de partout. La plupart des pages sont illisibles. Voici une partie lisible. Le deuxième signe. Et Dieu a dit, donne le sang des 10 pêcheurs et l'huile blanche en offrande. Tu seras libéré du carcan de toute enveloppe terrestre et jouiras du pouvoir des cieux. De la nuit et du néant, fais rejaillir les ténèbres et ceins-toi des désespoirs au nom de l'élu. Le troisième signe. Et Dieu a dit, retourne à tes sources à travers la tentation du péché. Sous l'œil vigilant du démon, erre seul dans le chaos sans contour. L'alignement des 4 expiations en dépend. Waouh! C'est perché, encore une fois, comme truc. J'ai toujours détesté les religions. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Des gémissements! De la fumée s'en échappait. Prenez l'affiche. Une affiche source. Affiche provenant du monde de la forêt ornée d'un bébé et du mot source. Et j'ouvrais finalement la porte. C'était le beg. Il était en train de brûler. En tenant je ne sais quel objet en main. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon Dieu! Mais c'est pas possible, il fallait mettre fin à ses souffrances ou... Quelle horreur! La porte s'est refermée derrière moi. Et merde! Il a un message sur le ventre. 171-21. C'est pas possible. Finally met him. The one that knows the guy talked about. C'est de lui que parlait le curieux. Et du diable. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, j'ai jamais rien demandé, moi. Le diable, et puis quoi encore? Reportage de dernière minute. Dans une forêt près de Silent Hill, le corps calciné d'un homme de 30 ans a été découvert en début de journée.
Merde. La police a conclu un meurtre et a commencé son enquête. Les chiffres 171-21 ont été gravés dans le corps de la victime. Les traces trouvées sur le corps orientent la police vers des liens dits possibles avec l'affaire Walter Sullivan survenue il y a 10 ans. Walter ? Comme le nom sur la porte ? Ne me dites pas que... J'avais retrouvé le bec enflammé avec des chiffres sur la poitrine. Sauf que ce con, il s'était immolé lui-même. Et en plus, il déclamait des trucs qui n'avaient aucun sens, il avait même l'air content. Il parlait du diable, ce genre de choses. Je comprenais vraiment rien. Puis d'un seul coup, je reviens, et dans le journal, on parle d'un Walter. Le même nom que sur la porte et dans ce message à l'orphelinat. Mais ça aurait été un meurtrier qui agissait il y a 10 ans. Je vois pas ce que ça avait à voir avec moi, franchement. Et puis, Wish House, c'était le nom de l'orphelinat, mais ça me trottait en tête. Je crois que c'était le nom que j'avais lu dans ce petit livre dans mon appartement quand tout est parti en couille. Ouais. Progressivement, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Je pense que je m'approche lentement, mais sûrement, de la vérité.